gens, c'est l'Extase, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les garçons, pour une toute nouvelle vidéo sur du Fortnite Battle Royale. Aujourd'hui je vais enfin acheter le PC de Mini Extase. Le retour. Je vais enfin l'acheter, il a tout simplement mérité. On a fait deux séries de vidéos, il a remporté le défi. Du coup je l'achète aujourd'hui. Pour cette vidéo par contre je vous demanderai maximum de pouces bleus, parce que je vais banquer. Aujourd'hui j'achète le PC. Du coup ça va me faire mal. Mais juste avant de l'acheter, on va bien évidemment faire une petite game. Enfin, Mini Extase va faire une petite game. On va essayer de faire top 1. Je vais le coacher comme d'habitude, parce que sans moi, il ne gère pas du tout. Tu veux quoi? Je suis plus fort que toi. T'es plus fort que moi? Bien sûr que oui. Et comment ça se fait que t'ai gagné un V1 alors? C'est pas pareil, j'étais à la manette. Il trouve des excuses. N'hésitez pas aussi à vous abonner et activer la cloche notification. Il va y avoir énormément de vidéos avec toi quand tu auras le PC. Il va y avoir des vidéos avec Mini Nexta. Ça va arriver parce que oui, c'est bientôt les vacances. Et bien évidemment, mettre le code Nexta dans la boutique. Si tu le mets pas, tu n'es pas un vrai Saiyan. Il faut qu'on remporte la guerre face aux autres créateurs. Moi, j'ai plus rien d'autre à dire. Je pense qu'on peut leur envoyer la game. Est-ce que t'es chaud? Ouais, je suis chaud. Allez les gars, bon visionnage. Allez, let's go les gars, on est parti directement pour ce Nice Tips en compagnie de Mini Extase. Aujourd'hui, je vais acheter le PC qu'il a gagné, le PC gamer de ses rêves. On a fait deux vidéos. La première, il me semble qu'il fallait faire. Il fallait faire quoi la première? Bull fight, bull fight. Le bull fight, exactement. Il fallait qu'il me batte. Malheureusement, il était trop fort pour lui, on peut le dire. Et la deuxième vidéo, c'était de faire top 1 directement, première partie. Il a réussi, du coup il mérite ce PC. Là il va faire une petite partie, il va essayer de faire top 1 bien évidemment. Tu es obligé, sinon je le reprends. Mais on est directement à Sony, il y a des mini popos juste devant. Il faut absolument te les caler, avoir 200 de vie bien évidemment. Par contre je veux absolument le top 1 dans cette vidéo, non je te le dis. Thomas s'il te plaît, gère le top 1. Pour les abonnés, je vais dépenser que 1500 euros, parce que oui attendez, le PC de base il devait coûter combien? Il devait coûter... Non. J'avais dit 800 voire 1000. Et le PC du coup il coûte 1500. Ça fait mal au cul. Donc voilà, pour les personnes qui veulent me soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo parce que j'ai mal. Et du coup on continue. 6 mini popos, t'as un stuff vraiment correct. Il te manque juste le pompe de guerre qui fait vraiment la différence, on va pas se mentir. Sans ça, c'est vrai que c'est un peu chiant. Mais du coup t'as une faille, ok, tu pourras décaler, prendre la place des bandages, voilà super. Et bah du coup il faut que tu continues. Mais en vrai de vrai, est-ce que t'es content d'avoir le PC? Ouais, enfin, voilà, tu l'auras, tu pourras faire ce que tu veux. Tu pourras faire vidéo plus stream. Enfin ça, on va pas s'attarder dessus. Et du coup le pompe de guerre, let's go baby. T'as le meilleur stuff. C'est quoi ce stuff? En plus t'es pas contest, t'es hyper ouais, bien. Là, c'est cool. Exactement, mais du coup le PC on le commande à la fin de cette vidéo, 1500 euros. Du coup comme ça il n'aura pas de problème niveau bug etc etc. Pour le coup j'avoue que je suis quand même sympa, parce que franchement citez moi des personnes qui achètent des PC à 1500 euros à leur petit frère. Franchement il y en a très peu, mais ça me fait mal au cul, oui, surtout avec tous les pranks qu'il m'a fait il y a longtemps. Mais ça va, ça me fait plaisir pour le coup. Du coup t'es bien là, t'es bien dans la game. T'as beaucoup de build, t'as bah, beaucoup de popo quand même, ouais. Beaucoup, mais t'es trop bien en fait, mais là tu vas faire top 1 gros. Heureusement je te donne pas le PC. J'ai pas compris ta phrase. Non mais en gros si tu fais top 1 je t'offre 2 PC genre. T'as compris, genre c'est un défi, mais il est fou lui. Après ça me dérange fort hein. Ouais moi ça me dérangerait, ça, le comptable il va me défoncer gros. Du coup ça claque la faille directement pour router. Fais voir où est la zone vite fait. La zone est quand même pas si loin. On est top 35, ça descend petit à petit. Je veux le top 1, Thomas s'il te plaît, fais-moi plaisir, fais plaisir aux abonnés. Le top 1 pour le PC. Mais du coup tu comptes en faire quoi de l'ordinateur? Dis-nous tes projets si tu en as. Bah alors je voudrais bien faire un peu de vidéo et un peu de live. Ok. Et voilà, et jouer hein. Ok, tu voudrais avoir ta chaîne YouTube quoi? Ouais. Ok, bah ça c'est assez intéressant. On va pas trop en parler. Juste ce que je peux vous dire les gars, c'est que ça peut être super intéressant qu'il ait son PC, parce qu'en gros quand on fera du duo ou quoi, on pourra avoir sa POV. Je pourrais la mettre dans le montage. Du coup vous aurez sa POV sur la vidéo et tout. Ça peut être trop bien. Après ta chaîne YouTube, on en a déjà parlé. Moi je pense que tu n'y arriveras pas. Après c'est mon point de vue tu vois. Moi je connais YouTube, je sais comment ça fonctionne. Mais toi j'ai un petit peu peur tu vois. Après tu fais ce que tu veux, c'est pas pour te lancer. Moi je parle pas trop pendant la vidéo en fait. Bah il faut que tu parles, parce que si tu n'animes pas, les gens ils veulent que tu parles. Les gens ils sont là aussi pour ton niveau, mais ils s'en battent les couilles en vrai de ton niveau tu vois. Ils sont là pour toi. Le niveau c'est quand même
cool, voilà, c'est un petit, c'est un plus. Le niveau c'est un plus, mais les gens sont là pour toi. C'est pour ça qu'il faudra que tu te mettes beaucoup plus à l'aise au fur et à mesure. Mais du coup, on verra. Mais attendez, calmez-vous les gars, ça veut pas dire qu'il aura une chaîne YouTube. On se calme, mollo. Ce qui va être super intéressant, comme je l'ai expliqué, c'est pour mes vidéos. On aura ta POV directement et ça c'est bien. On est top 24, on s'approche petit à petit de la fin de game, les gars. On se fait chier très clairement. Minexas, il fait que des Sony Steam, c'est n'importe quoi. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous serez pour ou contre l'arrivée de la chaîne YouTube de Minexas. Bon, ta chaîne, on va pas l'appeler Minexas, je pense. Non, Exeos. Ouais, on l'appellera avec ton blaze. Mais est-ce que vous êtes chaud ou pas? Oh, la balle de sniper qu'il a mangé. Et juste une question, est-ce que la compétition sur Fortnite, ça t'intéresse? Est-ce que ça t'intéresserait, genre, de devenir vraiment, vraiment fort? Bah ouais, qui dirait non. Ok, ça t'intéresserait? C'est vrai que moi, en ce moment, je regarde énormément d'Américains. Ouais, moi, et il y a des vidéos avec... Oh, le petit GG. Ok. Après, moi, je fais combien des petits fiou là? Ok, t'es fiou? Non, moi, je regarde beaucoup de personnes qui font des vidéos avec leur petit fiou, c'est pour... Par curiosité, ouais, par curiosité et tout. Et c'est vrai que, genre, il y a un gars, il a fait une chaîne YouTube à son petit frère. Et son petit frère là, il vient de dépasser le million d'abonnés. Jarvis, ah, oui, FaZe, oui, ah, un joueur FaZe, les gars, il vient de dépasser le million d'abonnés. Alors qu'il a 16 ans le mec. Et il a commencé sa chaîne il y a pas très longtemps. C'est vrai que si tu te donnes autant, il y a moins que tu fasses quelque chose de bien. Après voilà, il se donne beaucoup, tu vois. C'est pas à moi de voir, c'est à toi. Essaie de gérer le top 1, comme ça on peut finir un peu de parler aussi pour cette vidéo. Non non, Thomas, un BBF pas, qu'est-ce que tu fais? Il y a un mec là. Mais non, mais il est fou lui. Ok, ça reprend les dits, le mec qui est en bas. T'as un barrette, n'oublie pas. Le mec est là. Ok, ça reprend les dits du côté de Minexas, c'est la tête. Le kill directement, il y a un mec. Ok, ça le trappe. Ça trappe et le kill encore une fois de la part de Minexas, double dit dans ta mère mon pote. Clac là, le bleuvage et ouais, la mini popo. Après il va prendre la scar qui est en bas. Ouais, ok, là t'es trop bien, t'as la scar directement. Il full build. Ouais. Okay. Oh là 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 là, t'es tellement bien. Décale zone et ça va claquer un petit pas de pour rotate. Allez, let's go baby, on est top 6. Il faut absolument gérer cette fin de game. Ok, il y a un mec là-haut, ça a mangé une balle de sniper. On est top 5 maintenant. Ok, le mec est juste là-haut. Putain, t'aurais dû tirer à la scar en vrai de vrai, mais du coup, ok, ça rotate côté zone. Prends la colline, le petit. Non, à côté en bas. Ouais, il suit directement. Fais une petite base par contre, fais attention, il y a un gars. Faut faire attention à la balle de barrette qui peut être vraiment fatale. Ok, le mec est là, le mec est là. Le mec est en dessous. Ok, ok, ça cale le trap. Ça a calé peut-être le deuxième. Ça cale le deuxième trap. Mais malheureusement, le mec est descendu. On est top 4. Il y a un mec juste en bas. Il a vu. Fais attention que ta tête dépasse pas trop. T'es dans la zone, t'es bien. Mais cette fin de game, elle se joue comme en arène. C'est n'importe quoi, gros. C'est quoi ce délire? Oh, il y a un mec là. Il y a un mec là. Là, là, là. À droite, tu l'as vu ou pas? Thomas, attention à la balle de barrette. Attention à la balle de barrette. Ça touche 150. Oh là là, GG. Il y a un mec là aussi. La balle de barrette qui ne touche pas malheureusement. Mais ça laser à la mort du côté de Minexas. Il va directement rusher son adversaire parce que il n'a plus de shield. Boum! Ça touche! Et ça termine directement le kill. Il avait absolument rien. Mais du coup, on est top 3 maintenant. En vrai, il faudrait des calzones quand même. Hein. Ok, 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 ok. Scar là. Ok, ça touche, il a plus de shield. Malheureusement, ça touche pas. Ok, le mec a le height. Au pire, des calzones. Ok, ça touche, grosse balle. C'est un pad. Et le kill, GG. Ok, le pad Thomas, le pad. Ok, super, super tap. Super tap, 1v1 pour le top 1. Ok, ok, il faut absolument que tu te mini. Le mec est en haut, t'as pas vu Thomas, mini pot sniper, s'il te plaît. T'as pas vu. Ok, let's go. Le top 1 GG. Top 1, 6 kills du coup pour Minexas. Juste avant de commander le PC. Ça fait plaisir, fais la petite danse et même pas. Mais du coup, top 1, 6 kills. Franchement, t'as bien joué. Ça va, t'as bien joué. T'as fait pas beaucoup d'erreurs. T'as pris quelques petits risques. Ça fait plaisir. Beaucoup de kills au sniper quand même. Beaucoup de kills au sniper. Ouais. C'est vrai que tu touches beaucoup de balles. Moi, ce que je te propose maintenant, c'est d'aller commander le PC. Voilà, il est content parce qu'il va avoir son petit PC. Bon, tu l'auras pas directement. Ouais, il va arriver dans une semaine. Une semaine, deux semaines. Moi, je pense deux semaines. Non, une semaine. Moi, je pense deux semaines. Mais en tout cas, tu l'auras bientôt. Ça, c'est cool. Et bah, let's go, les gars, c'est parti. Bon, les gars, let's go. On va directement commander le PC. Comme vous pouvez le remarquer, le PC est juste ici. Il est vraiment hyper chargé avec une petite 2070. Le prix, 1616 €. Ça fait mal, voilà, je te le dis. Mais bah, du coup, t'auras un PC qui tiendra bien la route. Regardez-moi ça. Ça coûte bien, comme vous le voyez ici, 1546 €. Mec, t'as intérêt à faire des vidéos.
Sinon je te fracasse, ok? Ah non, là il faut pas se foutre de ma gueule quand même. C'est bon, du coup le PC est enfin commandé. Est-ce que ça te fait plaisir? Ouais. 1500 euros, ça fait quand même mal. Mais du coup il pourra faire tout simplement ce qu'il veut. Il pourra jouer au jeu, faire des vidéos, faire des streams. Et du coup voilà, le PC on le recevra il me semble dans deux semaines. Donc bon, il y a encore un petit peu de temps à attendre, mais ça va, on est obligé de toute manière. J'espère que cette série de vidéos où je donne la chance à mon petit frère de gagner le PC de ses rêves vous a plu. C'est la fin, enfin c'est pas la fin parce que quand on le recevra on l'ouvrira, vous inquiétez pas, on vous montrera le PC. De quoi? Unboxing. Ouais, unboxing, le petit unboxing les gars. N'oubliez pas de liker la vidéo, d'abonner à la cloche notification. C'était Nextase, et mini Nextase. Peace.